Salut, salut. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour les swatch and make-up de la Midnight Rose des Forever Flawless d'Halloween. Donc, cette palette est juste magnifique. Le packaging est vraiment très beau et les teintes sont sympas. Voilà, si vous aimez les teintes chaudes, les teintes sont sympas. Donc, je vais faire le make-up en musique, je vais faire tout mon teint puisque vous adorez ça. Et donc je vous laisse tout de suite avec les swatchs, avec le make-up, tout ça en musique et on se retrouve à la fin pour un petit débrief. Thank you.
Et voilà ce qui conclut le make-up avec cette palette. Donc j'ai rajouté un petit côté halloweenesque avec les petites étoiles. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on pense de cette palette? Bah, écoutez, j'aime beaucoup les teintes. Sont vraiment très 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 jolies. Après, il reste encore ce rouge ici qu'on n'a pas testé. Enfin, il y a plein de teintes qu'on n'a pas testées. Enfin, que j'ai pas testé. Le noir est super pigmenté. Le fard beige, vous avez vu qu'il était super poudreux. Je ne sais pas pourquoi il est aussi poudreux. Et je dois avouer que ces teintes ici là sont juste magnifiques. Celle-ci est sublime. Le petit argenté là est très 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 beau. Et bien sûr, j'adore ces deux teintes-là. C'est totalement mes teintes. Voilà. Il y a du doré. Il y a trois dorés. Un bronze ici, enfin doré bronze comme ça. Un mort doré plutôt. Un doré très jaune et un doré plus clair. Est-ce que 3 dorés étaient indispensables dans ces teintes-là? Je pense pas. Je trouve que le mort doré, le jaune, il est un peu moins à voir avec le reste, je trouve. Mais bon, les deux teintes ici sont vraiment très jolies aussi. Enfin bref, voilà. De toute façon, vous savez que moi, les soleils, c'est une grande histoire d'amour. Mais je la trouve très sympatoche. Et si jamais vous aimez les teintes chaudes, principalement les teintes chaudes et assez sombres, ben vous devriez aimer cette palette aussi. Voilà, voilà. Donc, le prochain soin de make-up, ce sera donc la Enchanted, que j'ai très hâte de tester. Franchement, je vous la montre. Je vous la montre juste pour vous donner l'eau à la bouche, parce qu'elle est juste magnifique. Magnifique, magnifique. Donc, j'ai déjà l'idée du make-up que je vais faire. Je ne sais pas si ça va vraiment ressortir comme je le pense, hein, mais on verra bien. Mais voilà, elle est vraiment belle. Et donc, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si ce make-up vous a plu, si cette palette vous plaît. Dites-moi en commentaire si vous avez acheté la palette ou si vous allez acheter la palette. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner si vous venez d'arriver sur la chaîne par le plus grand des hasards. C'est totalement gratuit. Moi, ça me fait plaisir. Donc, on est tous contents. Et voilà. On se retrouve demain pour le challenge vilain avec mes copines. Et en attendant, moi, je vous dis bisous, bisous.